dans le chemin de la guidée. Allah il sait. Mais toi, tu ne pourras pas guider à Muhammad. Là, il lui dit dans son verset, dans un autre verset, Allah il lui dit, wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Est-ce qu'il y a une contradiction entre les textes dans le livre d'Allah Azza wa Jal? Non. Si tu viens écouter nos ulama, rahmatullahi alayhim, que ce soit ulama ou loura, le savant de la langue, ou les savants de balara, de l'expression, ils nous disent non. Allah Azza wa Jal lui a expliqué celle-là. Parce que seul Allah la possède. Seul Allah la possède. La guider vers le bon chemin, la facilité à la croyance, seul Allah le possède. Personne d'autre ne la possède. C'est ce qu'on appelle en arabe Hidayat al-Tawfiq. Hidayat al-Iman wa al-Tawfiq lil amal salih. La yamlikuha illa Allah. Wa athbata lahu hadhihi. Allah lui confirme cela. Il lui dit innaka la tahdi ila sirat al-mustaqim. Hadi hidayat yamlikuha al-anbiya wa atba'u al-anbiya alayhi as-salatu was-salam. Certes, tu possèdes cela. La possibilité de da'wa. La da'wa ila Allah. La da'wa avec laquelle ils sont venus les prophètes, alayhi salatu wassalam. Vous allez me dire, est-ce que c'est spécifique pour les prophètes? Non. Le relais a été passé par notre prophète, sallallahu comme Allah il l'exprime dans le Coran. Comme Allah il l'exprime dans le Coran. La da'wa ila Allah, c'est une tradition qui a accompagné tous les prophètes, alayhi salatu wassalam. Qui a accompagné tous les humains jusqu'à la yawm al-qiyama, elle accompagnera la da'wa ila Allah. Il le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah il dit au prophète, dis à Muhammad, qu'il y a Muhammad, dans sourate Yusuf alayhi wa sallam. Qu'il hadihi sabili, ad'u ila Allah ala basiratin, ana wa man taba'ani, ay kullu man amana bi. Celui qui me croit, celui qui croit en moi, et qu'a l'honneur de croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'a l'honneur. Dans un hadith authentique qui a été rapporté par l'imam Ahmed, dans son muslim, il dit Sahaba radiallahu anhu, il est avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a aimé vous voir, il a souhaité vous voir, il vous a annoncé une grande nouvelle, une grande nouvelle. Wadadtu an ara ikhwani. Fi riwayati wadadtu an ara ahbabi. Les compagnons disent, nous ne sommes pas des frères, ya Rasulallah. Il a dit non, vous êtes mes compagnons, mes frères, vous me bien-aimés. Ce sont qui vont dire Touba liman ra'ani wa amana bi. Touba une fois. Liman ra'ani wa amana bi. Il a dit dans la deuxième Touba, 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 7 fois. Pour celui qui vient et qui n'a pas vu le prophète sur sa demi, il le croit, il s'attache à sa sunna, il le suit correctement. 7 fois Touba. Il a été mentionné par les ulama, c'est un arbre dans le paradis où le cavalier traverse, on sent quand il traverse son ombre. Donc, mes chers frères, il n'y a pas de contradiction dans les textes, surtout dans le livre d'Allah. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de contradiction. Le mal ou le faux, il ne peut pas venir, il a été préservé par Allah, le livre d'Allah. Le livre d'Allah Azza wa Jal, le livre de la baraka, Kitabu Mubarakun, quand il est mis dans une maison, il attire les malaïka, il attire la baraka d'Allah Azza wa Jal, il fait chasser les shayatin. Le Qur'an al-Karim, Kalam Allah. Donc Allah Azza wa Jal lui dit, wa inna kala tahdi, certainement tu guides les gens vers la bonne voie, certainement. Atbada lahu hadihi. Hidayat al-dilala al-irshad. Al-dilala, c'est de guider, essayer d'orienter les gens, essayer de parler. Certains ils disent, mais comment l'iman il vient? Le iman, comment il vient? C'est la facilité de la part d'Allah. C'est la facilité. Combien de personnes ils écoutent les versets, les signes, les versets qu'Allah a changé, les versets dans le kaoum. Mais il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas qu'Allah nous en préserve. Inna na sami'na munadiyan. Jusqu'à ce que le Taymiyyah rahmatullah alayh, dans son kitab, un très bon livre qui s'appelle Kitab al-Iman, il dit, la première porte
porte dans la croyance, tu ouvres la porte. C'est à se dire ton khabar, alladhi ja'a bihi al-anbiya alayhi salatu wassalam. La première porte de la croyance que tu ouvres, c'est de croire à tous les prophètes, et certainement notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète de cette ummah, le prophète de cette communauté, notre prophète, le son du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah lui dit certainement, nous t'avons octroyé la possibilité de guider les gens, de les conseiller, de les orienter vers la croyance. Et le reste, il appartient à Allah. Il a été dit dans, un, dans, dans une variante, dans une version, donc je vais vous savoir, le hadith il a été affublé par Cheikh Al-Bani, il dit Bilal, quand il a goûté à la saveur de la foi, quand il a goûté à la saveur de la croyance, la libération, la croyance, il se libérait de toute elle. Il a dit Alhamdulillah. Alhamdulillah, il a dit, car l'hidayat est bien.